2 months following the outbreak of a previously unknown pathogen. It is not yet clear what has caused this gruesome affliction. The local government's Ministry of Defense erected a quarantine wall shortly after the outbreak. The global relief effort's steady stream of supply drops has sustained what few survivors remain in the city. The Ministry of Defense believes more radical action should be taken to stem the tide of this virus. The question is, super, maintenant j'ai terrorisé Gourcelle et sa femme. Je suis en train de me faire tout un tas d'amis. Enfin, peu importe, mission accomplie. Il faut que je me rende à un ancien débarcadère à présent. J'espère qu'après ça, je serai débarrassé de cet enfoiré. Yeah!
Je viens de la part de Rice. Hein, encore? Mais on vient de vous donner de l'argent. J'y suis pour rien. J'essaie juste de survivre, comme tout le monde. Et nous aussi. Rice nous a dit qu'il nous protégerait si on le payait. Mais jusqu'à présent, il nous a pris notre argent et c'est tout. Il n'y a pas de protection, juste des menaces. T'es pareil, je suppose. J'ai une mission à terminer, c'est tout. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je menace de tout brûler ici? C'est dingue, vous êtes tous pareils. Des putains de monstres. Toutes mes économies sont là. Prends-les et dégage. Si ça peut te consoler, je suis là contre mon gré. Si je pouvais, je vous aiderais. Ouais? Mais tu le fais pas. Pas vrai? Karim, j'ai récupéré l'argent au débarcadère. Et je suis quasiment sûr que je vais aller en enfer. Tu seras pas tout seul. Allez, viens chercher ta récompense à présent. Bon travail. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un a basculé au 18ème étage. On essaie de maîtriser la situation, mais bon. Écoute, Crane, il nous faut de l'antisine. Et tout de suite! Rice m'en a promis deux caisses, Bricken. Deux caisses! Je fais aussi vite que je peux, je te promets. Dépêche-toi, je t'en prie!
Philippe, t'es où? J'en sais rien, j'ai fait la moitié de la route, je pense. Super. Il faudrait que tu fasses un petit détour. Pourquoi? Une de nos patrouilles a disparu aux alentours du marché. C'est pas mon problème. Ça l'est maintenant. Tu vas les retrouver. Sinon, c'est pas la peine de rentrer. Je crois que j'ai trouvé la patrouille. Les gars ont été complètement massacrés. Fouille les corps. Recherche les plans dans une petite enveloppe. Et les abîme pas. Ils valent bien plus que tous ces macabées additionnés. Une seconde. La vache ! Je l'ai. Parfait. Rapporte-la-moi immédiatement. Tu vas être accueilli en véritable héros. Hé, hey, toi, là-bas! Je suis sur l'antenne. Tu me vois? Je suis là-haut. J'ai besoin d'aide. Donc, d'après ce que j'ai compris, Rice n'a pas beaucoup d'amis dans le coin. Non, mais tout le monde a peur de lui. Et puis tu sais ce qu'on dit. Mieux vaut être craint qu'être aimé. Machiavel. Tout à fait. Un mec qui avait les pieds sur terre.
Tiens, voilà les plans. Excellent. Toi, au moins, je peux te faire confiance. C'est pas comme ces ivrognes. Rice t'attend. On pourra peut-être bosser ensemble un de ces jours. Non, j'espère pas. La compassion, c'est la faiblesse. Bigé, vous avez tout ici. Un toit, à manger, des femmes, des munitions. Mais qu'est-ce que j'ai en retour ? Je ne peux pas vous faire confiance. Je suis trop gentil avec vous. Beaucoup trop. Tiens, revoilà l'autre. T'as quelque chose pour moi ? Ouais. Et j'attends mes deux caisses d'antisine en retour. Tu me l'as promis. Tu rêves. Tu es fidèle à la tour, mais c'est pas une marque d'intelligence. Tu n'es qu'un lâche. Tu obéis sans réfléchir. À eux, à moi, à un bon petit clébard. Écoute, on avait un marché. Les tiens ont besoin de l'antisine. Plus que jamais. Mais un homme qui suit les règles d'un autre n'en est pas un. Tiens, t'auras ça, et rien de plus. 5 flacons ? Mais tu m'avais promis 2 caisses. Si t'en veux plus, j'ai une proposition pour toi. L'athlète, celle qu'on appelle le scorpion, Jade Aldemir, ramène-la-moi. J'ai une arène où mes hommes se battent. J'aimerais bien voir le scorpion se battre pour nous. Je me demande combien de temps tiendrait. Quoi ? Non, pas question. Ça manque de conviction, tout ça, Crane. T'as pas encore décidé, ça s'entend. Alors tu vas sauver qui ? Les habitants de la tour ? Ou la demoiselle en détresse ? File et réfléchis. Merde. Ici Crane. Au rapport. Je travaille plus avec Rice. Il voulait que je kidnappe Jade Aldemir pour la faire combattre dans son arène. Oui, et ? C'est tout ? Comment ça, c'est tout ? Je vais pas dans le trafic d'humains, moi. On dirait que vous oubliez à quel point ce fichier est important, Crane. Si Rice veut la fille, livrez-la lui. Vous serez là pour veiller sur elle, non ? Qu'est-ce que... C'est quoi ce délire ? Vous êtes sûr de bosser dans l'humanitaire ? Et puis, si ce fichier peut sauver le monde, pourquoi il doit rester secret ? On ne vous paye pas pour vous poser des questions, Crane. Récupérez le fichier, c'est tout. Allez vous faire foutre. Ici Alfie. Bon, écoutez-moi tous. On a plus de gaz à la tour. J'ai l'impression que c'est pareil partout en ville. On sait ce qui s'est passé ? Non. Jeff, notre spécialiste, est parti la semaine dernière. Et il est du genre irremplaçable. Je peux peut-être le retrouver. Il faut que tu le retrouves. Et vite. Il paraît qu'il s'est monté une petite forteresse, quelque part derrière la gare.
Bracken, c'est Crane, tu m'entends? Bracken, tu m'entends? Merde. Jade, c'est Crane, tu m'entends? Crane, combien d'antizines t'as récupéré? Rice, voulait que... On s'est fait avoir. J'ai que 5 flacons. Quoi? On n'ira pas loin avec ça. On a un problème ici. Une épidémie a éclaté au 18e étage. Reviens le plus vite possible. Et perds pas l'antizine. Sol, il y a un type en orange à côté. Jade vient de me dire qu'une épidémie a éclaté au 18e étage. Il faut que je rapporte le peu d'antizine qui me reste à la tour, et vite. Tu as l'antizine? Donne-la-moi. Il y a eu quoi ici? Une personne a été infectée. Et deux autres ont été prises au piège. On aurait pu condamner l'appartement. Mais Brecken voulait sauver un max de gens. Ça a mal tourné. Il a fallu prendre une décision. On a perdu l'étage et... quelques gamins dans le tas. Tu devrais aller voir Brecken. Je vais apporter ça à Lena. C'est là qu'on reçoit les infos concernant les livraisons d'antizine. Et là, on n'en reçoit plus. Il y avait des enfants! Lena a dû réagir. Je devrais peut-être la laisser diriger. Mais putain, Crane! Je suis pas un leader. Je suis prof de parcours, c'est tout! Tous Freyren? C'était toi? Tu as montré aux gens quoi faire pour survivre. Tu sais ce que j'avais dans les poches en arrivant à Arran? Des putains de cartes de visite! J'espérais trouver de nouveaux élèves, économiser pour acheter une maison et... quitter mon petit appartement pourri. Écoute... je vais aller parler à Rice. Eh, attends un peu. Tous ces gens ont besoin de toi. Donne-moi un peu de temps. Il y a sûrement une solution. Une meilleure solution. Très bien. Je vais attendre. Mais fais vite. Je vais enfin pouvoir faire quelque chose de bien. Qu'est-ce que tu fais là? Salut, Crane! Je peux te faire confiance? T'es sous ou quoi? Oui ou non? Oui, oui, oui. Qu'y a-t-il? Les éclaireurs ont trouvé un nid de rapaces dans ce gratte-ciel. Si on l'élimine, les missions de nuit seront de nouveau possibles. Je pense à un truc. On pourrait peut-être le faire exploser. Ne dis pas que t'envisages toujours ça. Crane, il le faut. Tant que le nid sera là-bas, on ne pourra pas récupérer toute l'antizine dont on a besoin. On fait une bonne équipe. Ah ! Merde ! Me lâche pas ! Me lâche pas ! Oh putain ! Tu vois, on fait une bonne équipe.
Écoute, Raïm, on n'a pas d'explosifs. Du tout. À part peut-être les pétards de Spike, mais... Bon. J'en peux vraiment plus. Tout ce que je fais, c'est de regarder. J'en ai marre. J'en ai marre de rester là à rien faire. Je veux pas crever ici, Crane. Pas comme ça. Pas de cette façon. Quitte à mourir, autant que ça serve à quelque chose. C'est quoi, ça? Je devais partir le dimanche. Et ils nous ont mis en quarantaine le jeudi. Mes sacs étaient déjà prêts. Je vais... Bon, écoute, je vais réfléchir, ok? Si je trouve un moyen de t'aider. C'est ça. Ici Crane, vous m'entendez? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que vous recommenciez à livrer de l'antizine près de la tour. On en a besoin. On vous a envoyé à Arran pour retrouver le fichier, pas pour jouer les mères Teresa. À moins que vous ayez changé d'avis pour la proposition de Rice. Peut-être que Mademoiselle Aldemir serait contente de coopérer, de se battre dans un nouvel environnement. Donnez-nous de l'antizine, et ensuite on verra. Ah, vous le prenez comme ça. Désolée de vous dire ça, mais vous rêvez. Les choses sont un peu tendues avec le ministère. Reprendre les livraisons ne serait pas très avantageux, politiquement parlant, actuellement. Vous êtes vraiment qu'une bande d'enfoirés! Avec votre fichier à la con, je vais le trouver. Mais je vais pas me gêner pour l'étudier tranquillement avant de décider quoi en faire. Tu m'entends? 5 sur 5. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai besoin de ton aide. Rice a transformé une école abandonnée en entrepôt. Et je pense que c'est là qu'il stocke son antizine. Si on réussit à entrer dans cet entrepôt, on pourra récupérer les médicaments dont la tour a besoin. T'es avec moi? Ouais, je te suis. On se retrouve dans les wagons, près de l'école. Ok. Au fait, Jad, si jamais on retrouve pas l'antizine, il va falloir qu'on parle, toi et moi. À propos de... Pas maintenant, Jad. Commençons par vider l'entrepôt de Rice et nous verrons bien. Jad sait où on peut trouver plus d'antizine. Je vais la retrouver dans un des wagons près de l'école. Il y a plein de choses à faire à la tour. J'espère. Thank you.
Mais non. Viens ici. Tu devrais voir ça. Il se passe un truc à l'école. Ça fait des heures que les gars de Tahir transportent des caisses. Allons voir ça de plus près. Il y a quoi dedans ? Bonne question. Si c'est de l'antisine, il nous la faut. Ils sont combien à l'intérieur ? J'en sais rien. J'ai vu ceux qui ont suivi Tahir. Mais il doit y en avoir d'autres. On devrait prendre des entrées différentes. On couvrirait plus de terrain et on ferait moins de bruit.
Encore toi ? Du calme. C'est vrai ? Je t'assure. On a... Ils ont... Quel... Je suis ce quelqu'un. On reste en contact. J'ai vu Tahir à l'école. Il était avec ses hommes. Ils sortaient tout un tas de trucs qu'ils ont mis dans un camion. Qu'est-ce qu'ils foutent ? Le pire... Ok, Jade. Je suis entré. Fouille les classes. À mon avis, c'est là qu'ils stockent les marchandises. Elles doivent être marquées. Le jargon militaire est plutôt simple. Tu devrais pouvoir les identifier. On peut pas passer par là. Dépêchez-vous, bande de fainéants. On va pas y passer la journée, et encore moins la nuit. Vous avez pensé à vérifier le sous-sol ? Bien sûr que non. La clé est toujours là. Idiot.
réfléchir. Thank you.
moi ça. C'est fini pour toi. T'es mort. Tu m'as entendu?
Jade, j'ai pas trouvé d'antisine. Je pense qu'il va falloir trouver une autre option. Enfin, j'ai pas encore fouillé la classe C. Le sous-sol est énorme. Cherche la clé, je te retrouve là-bas. Yeah.
Donne-moi un coup de main, s'il te plaît. Ah, ok. Crane, t'es vraiment un grenard. Eh ben, t'as qu'à leur crier qu'on est là, tant que t'y es. Parfois, une approche directe est parfaite. Oh, merde. C'est... c'est du plastique, c'est ça? Prends ça et retourne à la tour. Je m'occupe de ces enfoirés. N'importe quoi, on va se battre ensemble. Et leur laisser tous ces explosifs? Non, pas question, on se retrouve à la tour. Phil! S'il te plaît, ne laisse pas Raïm s'approcher du nid. Bien sûr que non. Promis, allez, Phil! Jade et moi, on cherchait de l'antizine, mais au final, on a trouvé des explosifs. Il faut qu'on se dépêche de filer avant que Tay revienne. Jade, laisse tomber, c'est pas important. Ok, écoute, j'apporte ça à Saïd et tu gères Raïm. Il doit surtout pas approcher de cet essaim. Entendu, Jade, t'inquiète. Merci. Fuck.
jamais été aussi fort. T'as besoin de quelque chose ? Jade m'a contacté. Elle va porter des explosifs à Saïd. Elle m'a demandé d'aller voir Rahim concernant le Nid Rapace. Elle veut s'assurer qu'il s'en approchera pas. Saïd m'a dit que vous aviez trouvé des explosifs. C'est génial! Jade les lui a donnés. Saïd était artificier avant. Ça tombe bien. Ouais, on a eu du bol. J'aurais quand même préféré qu'on trouve de l'antizine. Mon pote Omar est en train de vérifier que Saïd a bien réglé les bombes. Il faut qu'on ait le temps de sortir avant que tout explose. Non, mais tu rêves. Oui, il faut faire exploser le nid. Et on a ce qu'il faut à présent. Mais c'est moi qui m'en occupe. Tout seul. Mais... c'était mon plan. Que j'exécuterai à la perfection, promis. Mais... oh, merde. Ça sert à rien d'essayer de te convaincre, hein. Bon, je te ferai signe quand Saïd aura fini. Marché conclu, alors ? Puisqu'il le faut. Marché conclu ? Oui. Marché conclu. Oh, encore un truc. J'ai encore vu une créature bizarre. Le docteur Ziré est dans sa caravane. Il faut que j'en parle. Non. Il est à l'infirmerie, avec le docteur Léna. Ok, à plus tard, alors. Vous auriez une minute ? Oh, Kane, c'est ça ? Que puis-je faire pour toi ? Crane, vous vous souvenez de la drôle de créature infectée dont je vous ai parlé ? Celle qui a décampé dès qu'elle m'a vu. Je viens d'en voir une autre, et elle a réagi pareil. J'ai entendu tes collègues parler de ces créatures. Des esquiveurs. Les esquiveurs n'apparaissent que la nuit, dans certains quartiers de la ville. Tu pourrais en attraper un pour me fournir des échantillons à étudier ? Tu sais, je viens de penser à un truc. Si ces créatures sont attirées par les zones où j'ai laissé mes appâts expérimentaux... Ah, je vais trop vite en besogne. Rapporte-moi un échantillon, s'il te plaît. Il doit être frais. Alors, surtout, ne traîne pas en route. D'accord. Et où je suis censé trouver ces créatures ? On m'a dit que l'intendant devrait pouvoir t'aider. Ziré m'a demandé de lui rapporter une des créatures infectées que j'ai vues devant l'école. Ziré m'a dit qu'on trouvait ces bestioles dans certaines zones de la ville. C'est là qu'il faut que je cherche. Il m'a aussi demandé de pas traîner. Il a besoin d'un échantillon frais. Il y a plein de choses à faire à la tour. J'espère que tu jetteras un coup d'œil au tableau. Je capte beaucoup plus de messages. Viens, toi. Je vais te faire un bon prix.